Mesdames, Messieurs, amis internautes, chers abonnés de la chaîne YouTube Saint-Top Team, bonjour. Merci de votre fidélité et soyez les bienvenus dans la deuxième de Saint-Top News. Alors, aujourd'hui, on va faire focus sur certains footballeurs sénégalais qui, de notre humble avis, vont réaliser une bonne saison cette année. Donc, c'est des joueurs à fort potentiel et on vous invite vivement à les suivre tout au long de cette saison. Alors, on va commencer avec Pape Matar Sarr, qui, du haut de ses 18 ans, s'est imposé comme un titulaire indiscutable au sein de l'effectif du FC Metz. Il a à son actif déjà 23 matchs et 3 buts la saison dernière. Donc, mais il faut reconnaître que à ses débuts, ce n'était pas gagné d'avance. On se rappelle tous de la titularisation surprise du jeune Pape Matar Sarr le soir du 6 décembre 2020 contre l'Olympique Lyonnais. Il faut reconnaître que c'était un cadeau empoisonné. D'ailleurs, il avait réalisé un match alors pas du tout terrible et il était sorti à la mi-temps de ce match. Et après cet épisode, il a dû ronger son frein sur le banc de touche pendant beaucoup de matchs. Il est redevenu titulaire 7 matchs après contre le FC Metz, et où il a réalisé durant ce match une prestation de haute facture, ce qui lui a valu des titularisations tout au long de la saison, et ce qui a fait que ça a attisé beaucoup de convoitises, surtout des grands d'Europe comme l'Atalanta Bergame, qui jusqu'à présent font le forcing pour le recruter. Pour ma part, je lui aurais conseillé de rester encore une année du côté du FC Metz, histoire de s'aguerrir, histoire de franchir un cap, d'autant plus qu'il a certaines lacunes quand même à gommer, et je pense qu'un coach comme Antonetti peut l'aider à franchir ce cap et devenir un joueur international, un joueur de la dimension des meilleurs milieux de terrain au monde. Et j'en suis sûr, il a les capacités, il a la tête sur les épaules et il va y arriver. Deuxième joueur à suivre, ce sera Pathé Cisse. Alors, Pathé Cisse n'est autre que le petit frère de Saliou Cisse, international sénégalais. Donc, Pathé Cisse a quand même de l'expérience au niveau de la Liga 2 en Espagne. Donc, il a réalisé presque plus d'une cinquantaine de matchs sous les couleurs de Fuenlabrada. Donc, aujourd'hui, il rejoint un promu, le Rayo Vallecano, qui va évoluer en première division dans le championnat d'Espagne. On connaît tous le championnat espagnol qui est un championnat tactique, technique. Donc à mon avis, il va s'intégrer dans cette équipe et ça va lui permettre de franchir un cap, de devenir un joueur international, pourquoi pas, parce que c'est un joueur qui a de la classe, qui a de la prestance, qui est élégant avec le ballon, un milieu de terrain moderne. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Troisième joueur à suivre, c'est John Lopi, donc l'expansionnaire du centre de formation Oslo au Sénégal, a rejoint le stade de Reims en octobre 2020. Il faut reconnaître quand même que le temps d'adaptation a pris du temps, mais sur la fin de l'année, il a été titulaire sur certains matchs. Aujourd'hui, on attend plus de ce joueur qui a été capitaine des U20 de l'équipe nationale, un joueur très doué techniquement, aussi c'est un joueur physique. Donc, on attend de voir, d'autant plus qu'au niveau du stade de Reims, l'entraîneur a changé. Donc c'est Oscar Garcia qui est le nouvel entraîneur, donc les cartes sont redistribuées. On va attendre de voir ce que ça va donner en espérant qu'il va réaliser une bonne saison. Donc, je fais une passe décisive à Tiga aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire des joueurs ciblés? Merci, Ibou, pour cette passe décisive. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Alors, moi, j'ai décidé de vous parler de trois joueurs qui, selon moi, seront à suivre pour cette nouvelle saison. Alors, ne perdons pas de temps et rentrons de suite dans le vif du sujet. Et on commence avec Amat Ndiaye Diédiou. Alors, pour ceux qui l'auraient oublié, Amat a été sélectionné en tout et pour tout 4 fois avec l'équipe nationale. D'ailleurs, sa première sélection datait de 2018. C'est d'ailleurs à la fin de cette même année qu'il s'est malheureusement blessé gravement au ligament, ce qui l'a laissé éloigné des terrains pendant de très longs mois. Donc après, par conséquent, il a perdu sa place à Getafe et il a été prêté en deuxième division à Majorque, club avec lequel il a obtenu la montée en Liga, avec un total de 31 matchs joués pour 9 buts marqués. Donc vous l'aurez compris, hein, il est très bien revenu de sa grosse blessure. Et Majorque, grandement satisfait de ses services, a décidé de lever l'option d'achat. Moi, personnellement, hein, j'attends impatiemment la reprise de la Liga, car je pense que Amat a toutes les cartes en main pour réaliser une grosse saison et retrouver très rapidement l'équipe nationale. Et on poursuit avec Khadim Rasoul Joher. Alors, le joueur polyvalent, hein, que les supporters de Lyon ont découvert en mars dernier avec l'équipe nationale, veut quitter Adana Demirspor. Ses bonnes performances ont attiré l'œil de grands clubs turcs, hein, comme Galatasaray ou Fenerbahçe. Il y a aussi des clubs français de Ligue 1 qui sont intéressés par ses services.
Alors, il faut savoir hein, que le contrat de Khadim s'achève en juin 2022 et que le joueur, lui, il ne souhaite pas prolonger. Mais qu'à cela ne tienne hein, pour le président richissime de Adana Demirspor, qui, lui, veut conserver coûte que coûte son chouchou Khadim encore une saison et quitte à ne pas toucher d'argent sur un futur transfert. D'ailleurs, pour info, le dernier match amical de Adana Demirspor, Khadim a été promu capitaine. Cela montre quelque part que le club souhaite donner des gages à Khadim pour lui donner envie de rester. Et on termine avec Abdallah Sima. Alors, il est sans aucun doute l'espoir sénégalais de la saison 2020-2021. Pour être passé en l'espace d'un an de la 11e division française à un quart de finale d'Europa League, couplé à un statut d'international sénégalais. Ces très bonnes performances ont attiré l'œil de plusieurs clubs européens. Alors, dans la presse, on a vu circuler les noms de la Juventus, de Manchester United, de Crystal Palace, de West Ham, ainsi que différents clubs de Bundesliga. Alors, il faut savoir que le président du Slavia lui a accordé un bon de sortie, mais à une vingtaine de jours de la clôture du mercato, bah, Sima est toujours un joueur du Slavia. Donc, là, très clairement, le joueur va devoir choisir. Soit il fait une deuxième saison au Slavia, soit il part dans un club où le temps de jeu lui sera accordé, car un jeune joueur aussi fort et talentueux que lui, se doit de jouer régulièrement pour continuer à progresser. Et il doit faire attention à ne surtout pas aller s'enterrer dans le mauvais club pour ne pas devenir ce qu'on appelle un one shot, hein, c'est-à-dire le joueur que d'une saison. Voilà, ma partie étant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tous les cas, hein, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas hein, à nous dire ce que vous avez pensé de l'émission en commentaire sous la vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et puis je repasse la balle à Hibou pour le temps additionnel. Voilà, merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour une revue d'effectifs avec les championnats qui vont reprendre. Beaucoup de championnats d'ailleurs. Voilà, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.